Salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien. C'est juste pour vous dire que c'est le dernier épisode de Pokémon YouTube que vous vous apprêtez à regarder car Liviaf a décidé d'arrêter de faire cet Acrom pour des raisons personnelles. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Merci de votre soutien pendant tout le truc. Ça finit un peu en queue de poisson, mais c'est les aléas de la vie. Et puis voilà, mettez quand même un petit pouce bleu et puis appréciez le dernier épisode. Yo les trashers, salut à tous, c'est Philon, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans la suite de Pokémon YouTube. Et donc le défi du jour c'est porter des haltères pendant le truc, et voilà, je commence déjà les bugs, et j'ai mes haltères avec moi. Alors vous allez faire la remarque, je suppose, hein, comme dans mon chat, que oui c'est des haltères légers de 3 kilos. Mais c'est parce que ce sont des haltères de fitness. Et renseignez-vous sur Google sur la différence entre des haltères de fitness et des haltères normales. Voilà. Oh là là, Deoxys, c'est la première fois qu'on voit son sprite, il est blanc. Primo Kryog, Primo Kronon, Mea Garaikaza, tout shiny. Alors du coup, je fais comment? En gros, je me mets comme ça. Oh putain, ah ouais, ça va vite être compliqué. Et je dois prendre le deuxième. Ah, ah. Oh putain. ça va vite être lourd, surtout que je suis très passif. Alors, je vais aller faire les dresseurs. On va... Alors, se diriger est extrêmement simple. Alors, ils sont où les dresseurs? Voilà, un dresseur là. Aïe! Bon, alors, je dois tenir combien de temps? Parce que ça commence déjà à tirer un peu. Oh. Wouh! C'est bien ces défis. Hein, on s'amuse bien. Hein. Je suis pas tabou... Ouh là là, j'ai... Oh là là, et la flamme bleue! Non! Coccinus! Ah putain! Attends, mais faut que je change de position. Putain! Mais ça tire sa mère! Je vais plus tenir plus longtemps. Ah, je lâche! Ah! Je fais un bras à la fois. Voilà, c'est ça. Ouais, parce que sinon ça va être impossible. Je fais un bras à la fois, sinon ça. Ça va d'avoir tous des attaques feu là? Putain! Ton père! Il va brûler. Ta grand-mère. Pourquoi j'appelle le Axe? C'est ça ma question. Pourquoi je fais... Vous savez, je fais exprès. Oh, il a Shuriken. Merci beaucoup, Hippowroi, pour ce moment. Merci beaucoup. Non, mais ça va, c'est bien. Entre les pompiers, la brûlure et le fait que tu me touches 8 fois et que j'ai un alter dans la main qui pèse lourd, parce que je le porte depuis un milliard d'années, tout va bien. Non. Tu dois être fifou. Notre capitaine Amixum, c'est Amixum. Parfait. On était imbattables. Ah oui, d'accord. Ok, bah j'ai bien fait de me soigner. Je me fais défoncer par... Oh là là, c'est tout à fait lui. Mais regardez, c'est tout à fait Quantum. Oh mon dieu. C'est parfait. Mais oui, c'est toi, c'est Quantum. Il a un tortipousse. Non. Allez. Oh là là, ça tue pas. Tortipousse demi-tour. Je sais pas si c'est vraiment ouf, mais bon, c'est marrant. Il envoie quoi? Vigoroth. Eh ben moi aussi, je peux le faire. Tiens, regarde. Allez, tu veux un max strat? C'est parti. Oh putain, ouh, ça sent le set. Ouh, ça sent le Vigoroth Evolu Rock de merde là. Et la balle brume. Oh là là, balle brume qui marche pas. Et la lame sainte. Oh, il a harcèlement. C'est quoi ce set? Balle brume harcèlement. Allez, à demain. Hein. Mais d'où tu tankes? Tue-le. Ouh. Il avait giga impact. Heureusement, c'est pas Monaflémite, hein, parce que sinon, ce serait un peu la teuf. Hein. Coucou. Allez, Chamallow facile. Je sais pas, ça doit être les Pokémon préférés de Quantum, un truc comme ça. Il a vraiment des goûts de chiottes. Chamallow, Tortipousse et Vigoroth, c'est un peu ridicule quand même. Allez, là, ça commence à devenir très très dur à tenir, là. J'ai vraiment mal. Ah, vite, la fin du combat!
vite. J'ai mal au bras. C'est bon. Oh. Bonjour. Alors c'est qui lui? C'est Amixum. C'est lui Amixum. C'est trop triste pour lui, il est tellement... Il est... Tu kiffes la place festival? Bof. Début de l'épreuve. Dans quelle situation entend le son suivant? Le son de Pokémon. On fait soigner ses Pokémon. Mais qu'est-ce qui se passe? Je me rappelais pas de ça, moi, dans le jeu. Ça, c'est le Pokédex. Bonne réponse. Bref. Ah, ce bruit, cette tension dans l'air! Canon, c'est vraiment lui! Le canon apparaît! Oh non, pas ça! Pas un Apiren! C'est quoi son aura? Oh, augmente ses stats. Oh là là, je sens que ça va être une purge totale. Allez, on fait changer clair. Parce que Petrushka, le Rock Boulet, alors c'est méga stab et compagnie, mais ça va lui infliger de dégâts, non? Oh putain, il a rayon gemme en plus. Oh, Petrushka! Rayon gemme. Allez, tu tankes, Petrushka! Tu tankes, Petrushka. Oui. Et le Rock Boulet de Petrushka! 4 fois super efficace, stabé! Bon, Petrushka! Petrushka! Allez, Petrushka! Oh, la puissance! La puissance de Petrushka! Attends, c'était quoi la puissance de Rock Boulet? 150 avec le stab, ça fait 225 x 4. Je lui ai mis une attaque à 800... À 900 de dégâts, les mecs! C'était 900 de dégâts! Alors, même si Petrushka tape comme un caca, quand tu lui envoies un 900 dans la gueule au Pokémon adverse, je pense qu'effectivement, il se peut qu'il y passe. Petrushka qui fait le taf! C'est un putain de Karatroc et il fait le taf, quoi. J'y crois pas. Oui. Et je commence à avoir mal au bras. Oh là là, il vient de traverser la table. Tout va bien. Cricri, Quantum. Allez, après ça, je m'arrête. Bon, allez, je m'arrête. J'en peux plus. Putain, j'aurais fait ça pendant 25 minutes, les mecs. Ça va. Je pense que j'ai le droit de m'arrêter au bout de 25 minutes. Je suis fier de moi. Mettez un pouce bleu. Oh non! C'est la rencontre avec Guzma! Attendez, je suis prêt! Je prends pour une dernière fois les haltères. Cette fois, je reprends les deux haltères. Et je vais parler comme Thibaut in Shape. Dame, les gens! Alors comme ça, tu vas créer une ligne Pokémon? Oh, vous allez draguer de la petite, eh! Oh là là, regardez. Oh, je fais des haltères en même temps. Oh là là. Parfait. Parfait. Dame! Et voilà Guzma! Il l'a traversé, c'est n'importe quoi, c'est New Primacy. Ah, c'est dur. Allez, faut que je fasse Guzma avec les haltères. Non, c'est n'importe quoi. C'est vraiment dur. Oh là là, il a la barre de New Primacy. Parfait. Et il a Scarino. Allez, je m'arrête. Ah, JPP. Ah. Ouf. C'était dur, là. Non. Expulse organe. Et voilà. Trio piqueur. Bon, ça devrait passer. Avec le canon floral. Sans trop de soucis. Oh, quoi qu'il a Myria vague, hein. Dis donc... Ok. Oh merde! Non, c'est bon. J'ai Coccinus, putain! Il rigole pas là, le New Princey. Mais j'ai intimidation, ça devrait aller. Voilà. Parfait. T'es défoncé. Hey, New Princey, chambé! Chambé.
tu t'es fait défoncer, New Princey, parce que t'es nul en stratégie, New Princey. New Princey, qu'est-ce que tu fais là? Tu fais du drama, New Princey. New Princey, le drama. Un combat double, voilà, très bien. C'est exactement de ce dont j'avais besoin. C'est important de tester son entraînement. Nos Pokémon sont remontés à bloc. Tu sais ce qui est remonté à bloc? Ta mère. Quand elle me voit. J'ai pas passé assez Poké de temps. Ah! J'arrive plus à lire! J'ai pas passé assez de temps à la Poké des temps. Wouh! Oh là là! Il fait des pompes! Allez! Non, des courbatures! Des abdominaux! Le mec, il lit tellement les courbatures! Il lit tellement les courbatures avec les abdos! Qui dit courbature? C'est quoi? C'est le pire lapsus que j'ai jamais fait de ma vie! Oh, il fait des courbatures! Ah! Laissons nos Pokémon jouer ensemble. Tu veux laisser... Oh, je laisse mon Onyx jouer avec ton Crustabri toute la nuit. Avec grand... Oh, avec grand plaisir! Y'a les Rendek qui arrivent! Si tes Pokémon sont trop forts, comment veux-tu que le mien s'amuse? Mais c'est une excellente question et c'est là-dessus qu'on va se laisser. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. N'hésitez pas à commenter, à liker, vous abonner à la chaîne Pokémon Trash si c'est pas déjà fait. Ou à la mienne si c'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine, je vous dis tchuss.